Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau direct live hebdomadaire sur ToraBox en direct ici de Jérusalem. Et comme toutes les semaines à 17h heure française, nous recevons un invité et cette semaine aussi pas des moindres puisque vous l'avez tant demandé suite à sa première intervention il y a quelques semaines. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir Jérémy Verhaeghi. Bonjour Jérémy. Bonjour. Merci d'avoir accepté de nouveau cette invitation. Avec plaisir. Tes interventions de la dernière fois ont été particulièrement utiles. On a reçu énormément de messages, énormément de gens qui ont pu changer sur pas mal de points. On a voulu réitérer l'opération. Cette fois-ci, sur un des thèmes qu'on avait brièvement évoqué, enfin brièvement, pas tant que ça, mais en tout cas, on l'avait brièvement évoqué à l'époque, il s'agissait du smartphone. Alors, on avait montré, pendant ce direct, on avait montré ton smartphone, en fait, qui n'était pas. Hein. Voilà, Ouais. c'est le smartphone des années 80. Et en fait, bien entendu, on le sait tous, le smartphone est aujourd'hui, de façon très claire et évidente, un vrai danger dans les familles et qui, malheureusement, a détruit énormément, énormément de couples et de vies. Et pour autant, on en a fait un besoin. Aujourd'hui, on ne peut plus s'en séparer pour des raisons professionnelles. On va dire que ce sont les plus justifiés et pour des raisons ben, presque d'addiction. Aujourd'hui, on est tous un petit peu addicts à son smartphone, tout le monde chatte, tout le monde discute, etc. Mes questions vont être très simples et j'aimerais qu'on puisse essayer, à travers ces premières minutes d'introduction, qu'on puisse essayer de traiter les thèmes suivants, à savoir et de tenter de répondre brièvement aux questions que je voudrais te poser ce soir, à savoir est-ce qu'aujourd'hui le smartphone est un véritable danger pour tous? Ou bien il concerne une certaine catégorie de personnes, peut-être des jeunes adolescents, ou bien des célibataires, ou bien uniquement des gens mariés, je ne sais pas. Est-ce que aujourd'hui, comment faire, puisqu'il est devenu un véritable besoin, donc comment s'en sortir? Comment gérer son activité professionnelle avec son smartphone? On sait très bien qu'on l'utilise au quotidien, on reçoit ses mails, on peut accéder à nos comptes bancaires, etc., etc. Quelle est la place du smartphone dans la maison? Et pour terminer, comment vit-on au quotidien sans smartphone? Très bien, alors, ça fait beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Je pense qu'on doit d'abord parler d'Internet en général. Internet, ça a été inventé il y a longtemps, bien plus longtemps que le smartphone. Tu en étais d'ailleurs Pionnier, dans comme les on dit. pionniers, Donc, ouais. moi, je suis connecté à Internet depuis 1994. À l'époque, on payait 80 francs l'heure de connexion, 20 euros l'heure de connexion. Vous imaginez combien ça coûterait aujourd'hui d'être connecté en permanence. Et Internet, en fait, était donc on n'était absolument pas connecté en permanence et on essayait de faire des choses utiles sur Internet. Donc on avait un besoin, ça pouvait être relever ses messages, mais on avait un besoin et on allait se connecter. Oh là là, on faisait ce qu'on avait à faire et on se déconnectait plus vite. Il y avait le compteur qui tournait, on ne pouvait pas se permettre de payer n'importe comment. À partir d'un moment, effectivement, sont arrivés et avait la connexion illimitée, la DSL. Ça arrivait dans les années 2001, 2002, enfin plutôt même 2000, l'Internet illimité. Et là, Un ami à toi d'ailleurs qui voilà, en a été entre pour. autres, Xavier Niel, mais Xavier Niel n'a pas été l'un des pionniers vraiment de l'Internet illimité. Il a été l'un des pionniers, mais il y a Ouais. eu plusieurs. Il y avait Liberty C'est ça. Surf à l'époque, il y avait Club Internet, etc. Et là, en fait, on a commencé en fait à vivre à devoir se battre contre ce qu'on appelle la procrastination. Procrastination, c'est un terme. Je ne sais pas à quel point il est utilisé en français, mais en tout cas, il est utilisé énormément aux États-Unis. C'est le fait de perdre son temps et d'aller rechercher quelque chose sans savoir ce qu'on cherche. Donc, à un moment, puisqu'on est connecté en permanence, en fait, on est attrapé par un genre de trou noir où on est en train de se connecter pour aller voir une info, voilà, le score du match de foot X, et après, on va voir une vidéo, et après, on va voir autre chose, etc., etc. J'ai pas besoin d'expliquer au public de quoi je parle. C'est comme ça que ça se passe chez tout le monde. Et donc là, mais quand même, on avait un avantage, c'est qu'on n'était pas connecté quand on sortait du bureau, ou qu'on sortait de la maison. Donc on n'était pas là, on me disait, bon, on n'est pas connecté, ce soir, je vais me faire 2 heures d'Internet, comme on faisait avant 2 heures de télévision. Et là, en fait, l'arrivée du smartphone, ça a été le fait qu'on va avoir justement ce problème de procrastination qui existe en dehors d'Internet, du smartphone, qui existe déjà depuis l'Internet, va se retrouver effectivement 24 heures sur 24. Et quand je dis 24 heures sur 24, c'est-à-dire même la nuit, on a sur son chevet son téléphone et qui s'allume, qui s'éteint, etc. Alors ils ont inventé effectivement le mode nuit, mais évidemment, vous savez bien que les gens l'activent à peine ou le désactivent et la nuit ils se réveillent, ils vont regarder des choses, etc. On parle même pas des dangers au niveau de la santé, là. Alors la santé, moi il y a une histoire, je ne sais pas si je l'avais racontée la dernière fois, j'ai un ami
qui était un grand grand cadre chez Microsoft France et qui est devenu investisseur. Et un jour, et c'est un ami avec qui je parlais régulièrement. Et un jour, je lui envoie un message, il répond pas. Alors que lui, il répondait toujours très très vite au message. Je lui envoie un deuxième message, le lendemain, il répond pas. Je contacte ses collègues, et ils me disent Jérémy, il a des soucis de santé. Moi, je pensais, en général, malheureusement, on apprend que c'est un cancer ou des choses comme ça qui arrivent. Ça arrive malheureusement trop souvent. Et je pense à ça. Et donc, il disparaît pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Après 6 mois, je lui envoie un message, il dit « Jérémy, je suis de retour ». Qu'est-ce qui lui était arrivé? Il avait fait ce qu'on appelle un burn-out. Un burn-out, c'est-à-dire qu'en fait, il avait explosé. Son cerveau avait explosé. Il s'est retrouvé à l'hôpital pendant des mois. Parce que c'était quelqu'un qui travaillait tout le temps, qui était toujours avec son smartphone, toujours essayer de répondre tout le temps. Et en plus, les gens comme nous qui travaillons avec le monde entier, on n'a pas de... À 24 heures sur 24, on a des gens en face avec qui parler en direct. Donc, on peut être à 3 heures du matin, on peut échanger, etc. Donc, il a fait un vrai burn-out. Moi, je l'ai presque vécu. C'est-à-dire que moi, j'avais des moments de tension il y a 3 ans, quand j'avais encore mon smartphone. J'avais des moments de tension horribles. Et je ne pouvais pas m'arrêter. Il n'y avait pas de moment, heureusement qu'on avait Shabbat. Mais à part Shabbat, il n'y avait pas un moment où je me disais, allez, j'arrive à prendre le recul. Et voilà, enfin, je disais à part Shabbat et pendant mes heures d'études de Torah. Où là, par contre, effectivement, j'éteignais mon téléphone. Donc, en fait, le sujet, c'est un sujet lié à Internet, pas spécialement au smartphone. D'accord. Internet, on va dire, il y a deux types de contenus sur Internet. Il y a des contenus qui sont des contenus fixes. Des bases de données, d'accord, Wikipédia, Khan Academy, Torah Box. Même si Torah Box, il y a des nouveautés tous les jours, mais c'est pas la communication permanente, d'accord. On peut se connecter une fois par jour sur Torah Box, ce que je fais moi, d'accord, depuis un ordinateur, pas depuis un smartphone, et on peut voir ce qu'il y a à faire. Et même d'ailleurs, moi personnellement, j'ai un petit lecteur MP3 dans ma poche. Et qui n'est pas connecté, je connecte à mon ordinateur, je télécharge les cours que je veux écouter sur Torahbox et je les écoute déconnectés, dans la rue, dans ma voiture, etc. Du offline. Mais en fait, donc il y a des contenus qui sont des bases de données. Et ça, en fait, finalement, ça, c'est pas un vrai danger. C'est-à-dire que ça, au contraire, c'est intéressant. Alors maintenant, on peut passer sur Wikipédia, on peut passer des heures à aller chercher un truc et au final, on va voir plein de choses. Mais c'est pas grave, ça reste de la culture. C'est pas un vrai danger en termes d'addiction. C'est pas, ça peut rester, on peut, vous savez, le terme web, ça veut dire toile d'araignée. D'accord? Pourquoi on appelait ça toile d'araignée au début? C'était parce que, non, c'est pas parce que ça va dans toile, c'est parce qu'en fait, chaque serveur est connecté à un autre sur Internet. C'est-à-dire que chaque serveur est connecté à plusieurs serveurs. Donc à la fin, si on voit ça fait un grand maillage et ça ressemble à une toile d'araignée. Mais au final, une toile d'araignée, je sais pas si c'est HM qui a fait que ça marche comme ça, une toile d'araignée, c'est aussi si on s'accroche, on peut plus en sortir. Mais vous voyez une mouche attrapée par une toile d'araignée, elle peut pas en sortir. Ouais. Donc ça, on a vraiment même les bases de données peuvent être des sujets à addiction, mais ce sont quand même des choses constructives. Si je passe une heure sur Wikipédia et uniquement sur Wikipédia, je vais apprendre plein de choses. Donc, je vais sortir meilleur. Le problème et le deuxième type de contenu, c'est le contenu qui est temps réel. WhatsApp, Facebook, Instagram, Snapchat, etc. Dans le web, etc. 2.0, c'est plus récent. Web 3.0, 4.0, ouais. etc. C'est effectivement, c'est semblante sociale, effectivement, maintenant on a plein de copains. Bon, bien sûr, virtuel. Tout le monde se retrouve seul à la maison quand même. On a plein de copains, mais surtout, on a en permanence des messages qui nous arrivent dessus. Et ça, il faut savoir que le problème qu'on peut avoir avec ce genre de sujet-là, c'est le fait de ne plus contrôler son temps. Si je vais aller voir Wikipédia et je vais aller voir me lire des textes pendant une heure. Très bien, c'est comme si je prenais un livre et je lisais des textes. C'est sûr que sur un livre, on lit mieux et c'est plus agréable, etc. parce qu'on risque pas d'aller ailleurs. Ouais. Mais je vais lire des textes. Si par contre, je suis connecté sur WhatsApp, sur Instagram, etc., ce n'est plus moi qui contrôle mon temps. Ce sont les autres qui contrôlent mon temps. Enfin, d'ailleurs, ils ne veulent même pas contrôler mon temps. Mais en fait, je reçois un message, je vais regarder mon message. Est-ce que c'est un message urgent? 99,9% non. Et je dis 99,9 pour, avec 999 après. C'est-à-dire qu'en fait, en général, il n'y a aucune urgence. C'est quoi une urgence? Une urgence, c'est il faut que tu vois le message tout de suite. Pourquoi? Parce que tu es médecin et tu vas devoir aller sauver quelqu'un. Tu es trader boursier et tu as besoin de vendre une action. Tu es président de la République et tu as besoin de savoir qu'il y a en ce moment une attaque quelque part. Il peut y avoir des choses comme ça, des certains types de personnes peuvent avoir besoin d'informations en temps réel. Et en fait, ce qu'on
nous fait croire, et c'est comme ça que sont construits les smartphones, c'est de faire croire qu'on a tous besoin d'être connecté en temps réel. On a tous besoin d'être en permanence connecté avec les autres. Autrefois, quand on sortait de la maison le matin, on disait au revoir papa-maman, et on rentrait le soir, papa-maman ne pouvait pas savoir ce qui nous arrivait. D'ailleurs, maman s'inquiétait énormément S'inquiétait pas et tant que appelait ça. tous les... S'inquiétait pas tant que ça. Elle s'inquiétait, mais elle priait, enfin pour les mamans Pieuse. croyantes, pieuses. Et même moins pieuse, hein. On a la chance chez les juifs, même les gens pas très pratiquants, etc., ont un lien avec HM, et prier. Voilà, j'espère que mon fils va bien, mon mari va bien, j'espère que tout se passe bien. Aujourd'hui, une maman, elle envoie un message à son enfant, tu vas bien? Il répond pas pendant 5 minutes parce qu'il est en Elle appelle la réunion. police. Pourquoi tu réponds pas? Qu'est-ce qui se passe? Allez, dis-moi tout, etc. Oh, bon. Ça c'est la mère, mais la fiancée, la femme. Etc., ou le mari avec sa femme. Et donc, Sérieux? en fait, on est devenus des grands stressés. Et on est des C'est. esclaves, en fait, de tout ce système. On est des esclaves. Et moi, par exemple, il y a une fois, je me suis pris. Moi-même, je me suis fait piéger. Un jour, quelqu'un m'a envoyé un message, une personnalité là, de l'ambassade de France ici, et je n'ai pas répondu pendant 2 semaines. Et après, je lui réponds, je lui dis, excuse-moi, je t'ai pas répondu. Il me dit, tu te rends compte quand même, avant, on s'envoyait des courriers, on attendait 2 semaines, 1 mois, les gens répondent, mais là, maintenant, on s'excuse de ne pas répondre tout de suite. Et ça, c'est quelque chose il faut prendre en compte, ça. Il faut se dire qu'on est censé contrôler notre temps. On est une des seules religions qui, chaque jour, on a des tehillim pour chaque jour, on a la semaine qui est Le sanctifiée, Shabbat. etc., le Shabbat, etc. Donc nous, le temps, c'est quelque chose de très important. On doit y faire des choses à chaque fois. Et là, à un moment, avec le smartphone, on arrive dans une situation où on ne contrôle plus rien. Jérémy, je suis d'accord. Tout ça, c'est vrai. Mais concrètement, aujourd'hui, à notre époque, tout le monde a un smartphone. Tout le monde en a fait un besoin. C'est devenu vital. Ok, tout ça, c'est vrai. Tout le monde peut le reconnaître. Le plus grand addict pourra le reconnaître. Mais de là à s'en séparer, est-ce qu'on n'est pas dans une certaine incohérence temporelle, puisque c'est plus, ça va plus avec notre époque. On a besoin de répondre à notre banquier, on a besoin de répondre à notre femme. Non, Je veux dire, cette remarque-là, il y a 100 ans, les réformés la faisaient aux gens qui étaient Shomrim Shabbat, en disant, vous savez, à notre époque, vous voyez Oui, bien mais que les là, entreprises, mais ça compte après, il y a eu la pas. télévision, vous savez, tout le monde à la C'est vrai, télé, mais ça tout le monde à contredit la pas. télé. Non, mais On a, on a, on a... ça contredit pas pour autant les grands principes. On va évoquer ça après, les dangers que ça peut pour le coup. Là, on a parlé de l'addiction, mais il y a d'autres dangers en matière de ce qu'on peut voir et consulter en termes de contenu. Mais si on réfléchit par rapport à l'addiction et tout simplement à un smartphone qui pourrait être verrouillé, filtré, etc. Aujourd'hui, on pourrait quand même vivre avec. En faisant attention, entre guillemets, se faire soigner par rapport à une certaine addiction et vivre avec. De Comment là se à s'en faire soigner? séparer. Je pose la question. On se fait soigner comment, Ah, je te monsieur? pose la question aussi. Ah, voilà. Non, mais, le problème, c'est qu'on ne se fait pas soigner d'une addiction. C'est à quelqu'un qui est en Elle est train de fumer. psychologue pour ça, Oui, maintenant. mais pour ça, on fait en sorte à arrêter de plus en plus. C'est-à-dire qu'après, il y a une question. Est-ce que quelqu'un qui est accro au smartphone, est-ce qu'il doit casser son smartphone immédiatement ou est-ce qu'il doit réduire au fur et à mesure? Voilà, c'est deux masoulim, comme on dit, Ouais. deux voies différentes. Mais l'idéal, moi, dans ce que j'ai vu, ceux qui l'ont cassé de leur propre volonté et qui l'ont cassé en la jetant par terre, ils l'ont pas repris après, ils ont réussi à ne pas le reprendre. Donc maintenant, regardez, le monde, dire ce qui se passe dans le monde. Le monde a besoin de smartphones, le monde a besoin de, etc. Ouais. On a l'impression que ouais. D'accord? Les gens m'envoient des messages sur WhatsApp, etc., etc. Si on réfléchit bien, les messages, on peut les avoir depuis un ordinateur, on peut les avoir depuis une tablette. Une tablette, c'est quoi l'avantage d'une tablette, si elle n'a pas de carte SIM à l'intérieur? C'est que je suis connecté uniquement quand il y a du Wi-Fi. Donc je ne suis pas connecté en permanence. Aujourd'hui, on consulte son smartphone 105 à 150 fois par jour. Je vais vous dire ce que ça veut dire 105 à 150 fois par jour. Il faut 10 minutes pour se concentrer sur un sujet. Ça, c'est les études scientifiques, d'accord? Il faut 10 minutes pour se concentrer sur un sujet. Aujourd'hui, on consulte son smartphone à peu près toutes les 5 minutes. Ça veut dire qu'on n'est plus jamais concentré sur rien. C'est dans les meilleurs cas, les 5 Ouais. minutes, parce qu'il y a plus grand indice de Euh, la liste. euh, ils ont, ils font ça tous les 3 minutes. Mais moi, je parle, c'est une moyenne. C'est-à-dire que c'est dans toute la Ouais, bien sûr, bien journée. sûr. C'est-à-dire qu'on inclut des repas, on inclut le moment où on est avec les enfants, etc. C'est 5 minutes. Et donc, on n'est plus jamais concentré sur rien. Donc, on a des problèmes au boulot, on va en parler peut-être après plutôt. Mais on peut avoir des problèmes au boulot, on a des problèmes de concentration, on ne peut plus lire un livre, on ne peut plus apprendre, on ne peut plus rien. Il existe des outils. Un outil, par exemple, que j'utilise sur mon Mac. Donc, moi, j'ai un MacBook Pro. J'ai un outil qui s'appelle Self Control, qui dit exactement le contraire de ce que ça fait en fait. C'est que les gens qui n'ont pas de Self Control, on lance un outil, on définit le Les nombre sites. d'heures.
Non, il y a quelques sites qu'on peut laisser ouverts, mais en général, j'en laisse pas. En général, j'en laisse pas beaucoup, ou voire pas. Mais on choisit les sites, on, non, on choisit pas les sites. D'accord. Non. C'est je bloque mon ordinateur, la connexion de mon ordinateur pendant X minutes. Ah, carrément. Donc on revient à liberté. Une heure, deux heures, trois heures. Non, mais je bloque, c'est-à-dire mon ordinateur, je peux le relancer et tout. Ah ouais. Je peux plus me connecter. Quand je lance le contrôle, parce que moi j'ai le même problème, malgré le fait que j'ai plus de smartphone, le tourbillon internet, tout le monde, ça reste un problème. Et donc, moi quand je lance le contrôle, j'ai une sérénité, quelque chose qui est. Il n'y a pas un stress pendant, justement, il me reste deux minutes. Non, c'est le contraire, justement. Ça, c'est intéressant, ça, parce que justement, moi je pense qu'il y a des choses à améliorer. Aujourd'hui, c'est pas ça, c'est que maintenant je dis, allez, il faut que je bosse, hein. Faut que j'écrive ce texte, il faut que je finisse ce contrat, il faut que je laisse, faut que je monte cette vidéo. Je lance pendant deux heures, c'est le contrôle. Pendant deux heures, je ne peux plus me connecter, il n'y a plus rien. Et comme je n'ai pas de smartphone, celui qui a un smartphone, il doit aussi avoir un outil comme ça. Il y a un outil qui s'appelle Freedom, qui permet de faire ça aussi sur smartphone et ordinateur en même temps. C'est avec des apps, en fait, Freedom, ça permet de faire les deux en même temps, d'avoir une synchro. J'enlève toutes mes connexions de tous mes appareils. Mais ouais, on en arrive là, c'est-à-dire que c'est déjà bien que même parmi les goyims, on a pu remarquer cette addiction, ce problème, et qu'on apporte les solutions. Alors mais c'est pas un sujet qui est propre aux juifs orthodoxes. C'est pas un sujet juif, même orthodoxe ni juif. Mais c'est important. J'ai donné cette conférence je donne plein de conférences. En tout cas, j'ai une conférence sur ce sujet. Je l'ai donné à des gens. Il y avait des gens de chez Renault. Les gens, c'était un non-juif qui était là et qui m'ont dit Jérémy m'avait changé la vie, etc. Voilà, c'est pas un sujet. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans la loi de cette année, jusqu'à 16 ans, les enfants ne peuvent plus amener un smartphone à l'école. Pourquoi ils n'amènent plus de smartphone à l'école? Et pourquoi pas? On peut dire oui, vous avez le droit qu'à la récré. Non, mais même à la récré, ça marche pas. On n'est plus concentré, on pense au message qu'on est en train de recevoir, on pense à ça, etc. Et en fait, Emmanuel Macron, dans son programme, ça faisait partie des grands points sur le monde de l'éducation, c'était d'arrêter les smartphones. Il y a un livre qui s'appelle Irrésistible, qui parle de ce sujet. C'est en fait, on n'arrive pas à s'arrêter. Et qui analyse en fait le fonctionnement du cerveau à l'utilisation des smartphones et le compare à toutes les autres drogues. Et qui montre que le cerveau fonctionne exactement de la même manière que la cigarette, que drogue, etc. Et c'est un véritable phénomène. C'est un fléau. C'est un fléau. Pas de dire, c'est un fléau. Et ce truc qui est important de savoir, c'est que les Google, Facebook, Enco, et toutes les belles boîtes de l'Internet, enfin les belles, entre guillemets, ont des équipes qui font ce qu'on appelle de l'A-B testing. L'A-B testing, c'est quoi? C'est qu'ils vont en permanence vous proposer des versions différentes d'un logiciel et vont voir quelle version va vous accrocher le plus. Et je peux vous dire, étant actionnaire de deux boîtes, qui sont les plateformes d'A-B testing, d'accord, une boîte dans le jeu vidéo qui s'appelle Inplum et une autre boîte dans pour les sites normaux. Ces technologies sont machiavéliques, c'est-à-dire que vraiment on a des outils qui vont faire en sorte comment vous prendre le maximum de votre temps. Et avant, le maximum, quand il y avait des chaînes de télé avant, c'était le maximum du temps, c'était est-ce que je vous prends le 20h-22h ou et l'autre qui prend le 20h-20h30, etc. Non, là, c'est toute la journée. Et la nuit avec. Comment je fais pour vous tirer le maximum? Parce que plus j'attire, je vous attire, plus j'ai de revenus publicitaires, plus je gagne. Donc là, on est arrivé à un moment où, en fait, toute la population est connectée. Toute la population qui veut se connecter à Facebook est connectée à Facebook, à Snapchat, etc. Il y a peu de croissance d'utilisateurs. Il y en a, mais c'est pas gigantesque. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour augmenter nos revenus? On fait en sorte que les gens utilisent plus. D'accord, mais Facebook, c'était pas déjà énorme? Non, on est désolé, mais on a besoin d'augmenter nos revenus. Donc on monte. On rajoute des services, on présente les choses différemment. Avant, il faut savoir que quand je me suis connecté à Facebook la première fois, c'était en 2008, quelque chose comme ça. Le feed s'arrêtait. Donc on faisait défiler les infos des amis, et à un moment on arrivait au bout. C'était sympa. Aujourd'hui c'est l'infini. Alors ça, je veux dire un truc. Il y a eu une expérience qui a été faite dans une université, sur l'université de Cornell. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des personnes avec un bol de soupe autour d'une table. Donc il y avait plusieurs personnes qui avaient leur bol de soupe. Ils ont demandé de manger leur soupe. Ce que ne savaient pas les personnes, c'est que certaines d'entre elles avaient un tuyau en dessous qui rechargeait la soupe en fonction de ce qu'ils mangeaient. Ce qui veut dire qu'en fait, les gens mangeaient, et la soupe remontait, et ils ne s'en rendaient pas compte. Ils se sont rendus compte que les gens buvaient, je crois que c'est 50 ou 80% de plus
puisqu'on leur servait de la soupe. Cette étude-là est utilisée par YouTube, et c'est pour ça que YouTube propose des vidéos. Quand une vidéo finit, ça propose celle d'après. Mm-hmm. D'accord ? T'as pas le temps de te dire, est-ce que j'en veux une autre ? Non, 5, 4, 3, 2, 1, hop, on en te montre une autre. Ouais. Les feeds, on t'en donne à jouer, parce que, en fait, plus on te gave comme une noix, on plus te gave, plus le cerveau n'arrive pas. C'est pas que je prends. C'est le cerveau n'arrive pas à se dire, attends, mais c'est une bonne chose que je prends la suite ? Pas le temps de réfléchir. Il n'y a pas le temps de réfléchir, il n'y a pas le temps de faire des choix. Et en fait, nous, les Juifs, on a il y a dans le Shaaret Teshuva, Shaaret Teshuva dit que la première mitzvah taseh, le premier commandement positif de la Torah, c'est Ubacharta Bachaim. Il dit comme ça, c'est quoi ? C'est Ubacharta, tu choisiras dans la vie. Le premier choix de la Torah, la première mitzvah, c'est de faire des choix. C'est de ne pas laisser emporter par la rivière, de ne pas laisser emporter par le vent, de ne pas laisser emporter par ses copains qui vont faire des bêtises, de ne pas laisser emporter par les choses. Et quand on est dans un monde où en fait on nous balance plein de choses dans la tête en permanence, et on n'a pas le temps de réfléchir, on ne peut plus faire de choix. Le peuple juif est d'ailleurs comparé au saumon qui va contre-courant de la rivière. Exact, exact. On dit que c'est comme ça qu'on remarque qu'un homme est vivant, quelqu'un est vivant, un poisson est vivant, c'est quand il remonte la rivière. Si on voit qu'il descend, peut-être qu'il est mort à l'intérieur, il fait partie du banc de poissons, il descend. Mais exactement, la vie c'est ça. Le juif c'est ça, mais enfin le juif, celui qui décide de choisir. On doit rester très humble. On doit remonter, c'est-à-dire que c'est ça qu'a fait tous les maîtres, tous les grands du peuple juif, sont des gens qui ont été à contre-courant, pas obligatoirement à contre-courant, mais en tout cas qui sont sortis du banc. Et ça, pour ça, il faut avoir le temps de réfléchir. Et donc concrètement, on peut vivre aujourd'hui, c'est pas trop marginal. Je parle pas d'être à Bnei Brak ou dans un quartier religieux. À Bnei Brak, il y a plein de smartphones. Non, je sais. Non, mais j'essaye de grossir, et de coller des clichés, des étiquettes. Ouais. Bon, en tout cas, est-ce que on peut se séparer de son smartphone en habitant à Paris ? Il y a des médecins, même des médecins, qui sont séparés de leur smartphone, des banquiers qui sont séparés de leur smartphone. Après, ça dépend. Dans certaines entreprises, il y a de la collaboration, par exemple, via des outils comme Slack, où les gens en fait communiquent en permanence effectivement sur des outils. On ne se rend pas compte que ça aussi c'est un piège. Il y a des entreprises qui mettent en place des outils de communication en temps réel quand on a quitté le boulot. Effectivement, il faut savoir que dans la loi du travail, la loi El Khomri, qui a un an et demi maintenant, il y a une loi qui demande aux entreprises de plus de 50 salariés de définir la charte d'utilisation des smartphones. Et c'est quoi cette charte ? C'est une charte qui permet qui définit comment on utilise le smartphone au boulot. Parce que, effectivement, si je commence à regarder mon smartphone toutes les 5 minutes, même nous, selon la loi juive, on est des voleurs, puisqu'on n'arrive pas à se concentrer sur son travail, donc on vole. Voler, c'est pas juste prendre quelque chose sur l'étalage de quelqu'un. Là, on vole en faisant mal son travail. Et en dehors du travail. Parce que là, à l'envers, l'employeur, s'il te demande de travailler, il parle avec toi en permanence, bah, c'est le même problème. Donc, effectivement, il y a des règles comme ça, et je pense que c'est quelque chose d'assez excellent. Donc, on voit, le sujet, finalement, c'est un sujet du monde entier. On a besoin de définir des règles. Donc, maintenant, imaginons qu'on ait besoin de smartphone. Moi, par exemple, j'ai un smartphone. Vous savez que j'ai un smartphone ? Moi, j'ai un smartphone. Ça s'appelle un Netto Waze. Il n'a que Waze dessus. Mm-hmm. Il est dans ma voiture. Adran. Ah, c'est pas Adran, il y a Adran et Netto Waze, il y a deux marques. Voilà, bon, Adran, c'est mieux d'ailleurs, a priori, d'après ce que j'ai entendu. Mais c'est un smartphone, il n'y a que Waze dessus, et Pango, ça permet de parkmètre, mais Pango, j'utilise, même malgré que j'ai sur le smartphone, j'utilise sur le téléphone, étoile 4500, ça marche très bien, on paye le parkmètre au téléphone, et voilà, il y a Waze. Il y a malgré tout un pas qui a été fait. Ça, il y a quelques années, tous les Gdolim, tous les Rabbanim interdisaient quelque chose de... Non. Pourquoi ? Parce que c'était un pas vers le véritable smartphone. Non. Aujourd'hui, on permet Waze, et bien demain, on permettra... J'exagère si je dis Facebook, mais presque. Non, ça veut dire que... Non, il n'y avait pas... Les Rabbanim ne sont pas des gens qui disent « On interdit tout, et c'est tout. » Non, ce sont des gens à qui on présente des cas, on présente une situation de société, et on dit, voilà, on a cette réponse. Est-ce que vous pensez que cette réponse va ? Ou vous pensez qu'au contraire, on est en train de l'aggraver ? Et sur ces sujets-là, effectivement, il y a eu NetOS a été accepté. Sur les sujets des smartphones cachers, ont été acceptés au début, aujourd'hui, sont de plus en plus rejetés. Je ne dis pas qu'il ne vaut pas mieux avoir un smartphone cachère de très, très, très loin qu'un smartphone non cachère, mais de très, très loin, il n'y a pas photo. Mais même les smartphones, cachères posent problème de shalom bayit. À la maison, nos enfants nous parlent, on fait « oui, quoi ?»« Oui, pardon ?»
qu'est-ce que tu me dis, etc. On va voir tout ça, voilà. Quelque chose qui explique voilà. Bien ce phénomène. Voilà, donc il y a donc, les parents, sa femme, au boulot, etc. On reçoit quand même des bêtises. Ça peut être quand même un bon compromis. Il faut, si on c'est, un, place, c'est un bon compromis si on est obligé d'avoir un smartphone. De toute façon, maintenant, c'est un bédiaval, hein. J'ai entendu les rabbinim par rapport à ça, c'est un bédiaval, donc on est dans un cas de a posteriori, j'ai besoin d'avoir un smartphone, qu'est-ce que je fais? Ben, je choisis un smartphone filtré. C'est ça, alors, mais il faut bien choisir, il faut bien voilà. Définir, il faut bien d'abord, avant même de dire c'est quoi un smartphone filtré, avant ça, regardez, chacun peut avoir son smartphone, évaluer son besoin. Regardez, chacun peut avoir son smartphone, chacun peut faire ce qu'il veut dans le monde, d'accord? Si on veut aller égorger des petites souris tous les soirs, on peut faire ça, d'accord? N'inquiétez pas, j'ai pas envie d'égorger des souris. Bizarre comme mais j'ai pas jamais senti comme ça, j'ai dû voir une souris passer par là. Mais n'importe quoi, on peut faire ce qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut, on est libre, personne va nous empêcher. Voilà, on peut pas tuer les autres, on peut pas toucher à la liberté des autres, on peut faire ce qu'on veut. Donc maintenant, on est en train de parler à des gens intelligents qui veulent faire le bien. Maintenant, quelqu'un qui me dit « Oh, laisse-moi tranquille, etc. » Je dis « Ok, je te parle pas à toi. Moi, je te parle à des gens qui veulent réfléchir et qui veulent faire avancer dans la vie et faire des belles choses. » Donc, la vraie question, c'est « Est-ce que j'ai besoin d'un smartphone ?» Et là, il faut définir. Pourquoi j'en ai besoin ? Il faut être honnête, déjà. Il faut être super honnête. Mais de toute façon, on parle à soi-même. D'accord ? Est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Moi, à un moment, il y avait un truc qui m'embêtait. C'était commander des taxis. Get. D'accord ? C'est super, Get. C'est génial, on commande un taxi, on a Uber en France, il y a Uber en France, etc. C'est super, il y a Lyft, il y a tout, Hitch. À un moment, je disais, regardez, même quand j'étais à Paris, je prenais mon smartphone à l'époque. Même quand j'avais abandonné mon smartphone, je prenais un smartphone à Paris. À un moment, je dis, regarde, ce que je vais faire, une fois, je ne vais pas le prendre. Et je vais compter sur, voilà, sur Dieu. Voilà, vraiment, je faisais comme ça. Je dis, voilà, je pense, le fait que j'ai besoin de Get trois fois par jour, d'avoir commandé un taxi, donc ça va me faire gagner quoi ? 10 minutes à chaque fois, peut-être. Ça, je ne veux pas qu'à cause de ces 30 minutes gagnées, j'en perde 5 à aller faire n'importe quoi et me balader. Donc j'ai fait le calcul, j'ai dit non, bah, je vais prendre un peu plus de temps pour prendre un taxi. Donc mes rendez-vous, je les ai un peu plus espacés, etc. J'ai trouvé des taxis tout le temps. Je trouvais des taxis tout le temps. Moi j'ai une tablette dans mon bureau qui est filtrée. Et sur la tablette, de temps en temps, j'ai voulu me commander un Get. Mon Get, il n'y en a pas. Je l'appelle des stations de taxi à l'ancienne, ils en ont plein. Alors j'ai bon, en fait finalement, ça a l'air sympa, ça a l'air de nous faire gagner du temps, mais oui, tu gagnes effectivement 5 minutes là, mais t'en perds plein à côté. Donc c'est pour ça, moi c'est pour ça, la vraie seule application qui pour moi est indispensable, c'est Waze. D'accord ? Vraiment, ça change la vie. Je serais pas arrivé à l'heure là, si j'avais pas eu Waze. J'aurais fait une panne d'essence, j'aurais pas trouvé une station service. Bon, il y a plein de trucs. Waze, c'est génial, d'accord ? Tout le reste, j'ai dit, on n'est pas obligé de l'utiliser. Maintenant, chacun va me dire, oui, mais moi j'ai mon agenda. Oh, mon agenda est sur mon smartphone. Mais mon agenda, moi j'ai un petit agenda papier dans ma poche, je vais sortir. Non, mais sinon, on peut l'avoir sur sa montre. On peut l'avoir. Non, mais non, la montre, c'est pire. Bon, ça, c'est... Voilà, moi j'avais une Pebble, une montre connectée, mais j'utilisais déconnectée. Mais j'avais fait en sorte à ce qu'elle ait les horaires de la tefila dessus pour lever le matin, etc. Donc, ça, voilà, c'est mon agenda. En même temps, il y a les horaires des prières. Et voilà, je cul dessus. Ça, c'est un danger à la juive. Voilà, j'ai mon truc, rendez-vous avec ToraBox, on a notre plat, j'ai mes rendez-vous les prochaines semaines. On revient à l'ancien. Mais c'est très bien. Pourquoi changer ? Parce qu'a priori, ce qu'on nous a apporté, c'est censé être mieux. C'est pas... Oui, alors c'est ça le truc. En face de nous, les Google, Facebook, etc., ne sont pas en train de penser à notre bien. Il faut bien, il faut pas être des pigeons quand même. Faut pas comprendre. Nous sommes des cibles. Il suffit de prendre l'exemple d'Apple. Ils vont sortir un iPhone. Un an après, ils vont sortir le même iPhone avec quelques gigas de plus. Ça va être la révolution. Ils vont se vendre encore plus que le premier, et ainsi de suite. Et ça fait comme ça. Non, mais iPhone, c'est pas les pires. L'iPhone, c'est pas les pires parce que le iPhone n'a pas de réseaux sociaux, n'est pas en train de faire en sorte à ce que les gens soient connectés autant que ça. Mais effectivement. Il crée aussi des besoins, des photos, des trucs, etc. Mais les besoins ont été créés par les applications. Et les applications, c'est Snapchat, c'est Facebook, etc. Les applications sont sur le smartphone. Oui, tout à fait. Non, mais pour dire qui est victime. Apple, c'est le premier. L'iPhone, c'est en 2007, c'était Steve Jobs. Steve Jobs n'a pas donné à ses enfants jusqu'à l'âge de 14 ans, ne leur donnait pas de smartphone ni de tablette. Il faut savoir, il n'y avait pas d'iPad chez Steve Jobs. Hein. Ni chez Bill Gates. Hein. Chez Bill Gates, vous avez... Les chefs de file... Les chefs de file... En fait, ils savent, ils sont dans les cuisines. Il y a plus de ça. Ils savent ce qu'il y a dans le monde. Qu'est-ce que font les gens de la Silicon Valley en permanence? Ils font de la méditation. Qu'est-ce qu'ils font de la méditation? Ils se déconnectent, ils enlèvent leur smartphone, ils le mettent à l'extérieur.
Est-ce qu'on peut se permettre de faire ça, peut-être uniquement quand on est Bill Gates ou Steve Jobs? Ouais, ça à chaque fois. Oui, c'est normal. Non, quand j'ai donné la conférence il y a quelques semaines ici sur le fait d'être honnête dans les affaires. Absolument. Les gens m'ont dit, mais oui, parce que toi, tu as déjà réussi tes affaires, c'est pour ça que tu dis qu'il faut être honnête dans les affaires. C'est comme question. Mais oui, mais c'est une super excuse. Moi j'ai réussi dans mes affaires parce que j'ai été honnête aussi. Et effectivement, il y a des gens qui ne sont pas honnêtes et qui réussissent dans leurs affaires, ils ont juste raté leur vie. Merci beaucoup, au revoir. Donc non, on va pas dire ça. On a des gens qui sont conscients d'un problème, donc on doit se rendre compte qu'il y a un problème. On a quand il faut savoir que quand les notifications... Au début, le premier iPhone, il n'y avait pas de mail en temps réel. C'est-à-dire que quand on recevait un mail, on n'était pas averti. C'était en poule. On avertissait, on allait chercher ses mails. Il n'y avait que le BlackBerry, qui demandait, enfin qui permettait de faire du temps réel. Et donc les gens disaient, oui, on veut du push. Ils ont lancé le push. Et au fur et à mesure, il y a eu une réunion qui a eu lieu chez Google. Il y a quelqu'un qui a assisté, un monsieur qui s'appelle Tristan Harris, qui est maintenant aujourd'hui un anti aussi smartphone. Il lui veut mettre de l'éthique dans les choses. Mais bon, il n'y arrive pas trop. Et il a assisté à une réunion où il disait, voilà, il y a eu une réunion sur les notifications. Au début, c'était, ah, ben, tiens, comment faire en sorte que les gens prennent de plus en plus leur smartphone dans les mains? Ah, ben, tiens, on va les avertir quand ils ont reçu un mail, quand ils ont reçu un SMS. Ah, ben, très bien. Mais pourquoi on les avertit quand il y a d'autres choses? Et là, ils ont ouvert les notifications à tout le monde. N'importe quelle app peut lancer des notifications, même ToraBox a une notification, etc. On est foutu. Et là, on s'est fait avoir. Mais l'objectif, c'est de le prendre le plus dans la main. Bien sûr. Et il faut se dire, nous sommes des victimes, c'est-à-dire que nous sommes des clients. Quand je rentre dans un magasin, je suis prudent. Je vérifie que le vendeur me vend au bon prix, qu'il n'est pas en train de m'arnaquer, que le produit est bon. Quand on voit Google, Facebook et tout, ah, c'est les boîtes modernes, alors ça y est, c'est tous des anges. Non, ce ne sont pas des anges. Alors justement, on évoquait, et on l'a évoqué encore tout à l'heure, cette addiction, cette façon de pouvoir être complètement ailleurs lorsqu'on est avec notre smartphone. Alors, on a une petite vidéo qu'on voudrait nous montrer à nos auditeurs. Juste, j'en profite avant cette vidéo, donc elle dure 2-3 minutes. Je vous invite dès à présent à poser vos questions. On en a déjà reçu pas mal durant ces derniers jours. On en a reçu encore à l'instant. Posez vos questions dès à présent. Jérémy Bérébi est là pour y répondre. Et partagez autour de vous cette vidéo, puisqu'elle permettra à d'autres amis autour de vous de pouvoir en prendre connaissance et eux aussi peut-être leur rendre service. Je vous laisse tout de suite avec cette vidéo qui est assez emblématique et on reprend tout de suite après ce live en direct de Jérusalem avec Jérémy Bérébi sur ToraBox. Alors, c'est une vidéo absolument incroyable, hein, qui est assez emblématique du phénomène qu'on vient d'évoquer. Si on devait lui donner un titre, Jérémy?
Un titre choc. Retrouver la vie. En étant déconnecté. Ouais, c'est fou, c'est tout le temps. Reconnectez-vous, en fait. C'est finalement reconnectez-vous. C'est une sorte de reconnexion. Ouais. On parle de la reconnexion avec sa famille, avec son entourage, mais même en connexion avec Dieu, on a le même problème. C'est-à-dire que si on est en permanence effectivement connecté depuis sa machine, on n'a plus de lien avec Hachem. Ça, c'est aussi la grande, grande chose qui est... Pour ça que pour nous, juifs pratiquants et croyants, c'est ça qui est le vrai piège. Le fait de ne plus se retrouver avec Dieu, de ne plus se retrouver seul. Si on est en train de faire la queue au supermarché pour payer... Autrefois, on pouvait dire, bah tiens, je vais réfléchir. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, même mes courses, ou est-ce que voilà, comment je vais rentrer à la maison, est-ce que je vais pas acheter un petit cadeau à ma femme? Ben non, et d'accord. Donc moi, comment je fais? Mais il y a des gens qui me disent, oui, mais on s'ennuie. Donc il faut bien qu'on trouve des choses à faire. Donc moi, je leur dis, voilà, vous avez des petits livres, vous pouvez vous prendre des livres dans vos poches. Moi, j'ai plein de livres. Voilà, j'ai des Mishnayot, j'ai plein de choses. Voilà, des petits livres de poche. Je sais pas s'il y en a beaucoup chez Torah Box, des livres de poche, mais en tout cas, c'est un vrai format. Pas de ce genre de poche. En tout cas, on a évoqué là, en cette première partie, le côté addict qu'on pourrait avoir face à un smartphone et donc les dangers. Mais je voudrais qu'on puisse aborder avant de passer aux questions. Et donc, je vous réinvite à poser vos questions puisque il y en a déjà pas mal, donc on va faire ça très court. Mais malgré tout, c'est quand même un sujet majeur. À savoir, les dangers du smartphone, ils sont aussi à l'intérieur du smartphone. À savoir qu'au bout de son doigt, on peut aujourd'hui arriver à des choses absolument catastrophiques. Et malheureusement, beaucoup de parents, je parle même pas des adultes, pour qui c'est déjà évident, mais ça aussi, ça fait partie des points qu'on doit peut-être évoquer, mais déjà des parents donnent des smartphones à des enfants, à des adolescents, qui fait que au bout de leur doigt, ils peuvent accéder à des questions qu'ils ont toujours voulu se poser, et dont ils ont toujours voulu avoir une réponse. Et c'est extrêmement dangereux. Est-ce qu'il faut quand même avoir conscience de ce danger? Et encore une fois, est-ce que ce n'est propre qu'aux enfants, qu'aux adolescents, et tout simplement aux adultes? Combien d'adultes ont déjà flanché et sont tombés là-dedans? Déjà, c'est pas on peut tomber sur des mauvaises choses, c'est on tombe obligatoirement sur des mauvaises choses. Il n'y a absolument aucune possibilité de ne pas tomber à un moment en voyant une vidéo, même de Torah Box sur YouTube, de ne pas pouvoir tomber sur un lien à côté, de tomber sur autre chose. Donc on est obligé de tomber sur des mauvaises choses. Il faut séparer, il y a les enfants, d'accord? Les enfants, on peut encore leur dire quoi faire. Mm-hmm. En fait, effectivement, beaucoup de parents se déchargent en donnant des tablettes et des smartphones à leurs enfants, en disant, bon, il faut bien qu'ils aient quelque chose à faire, c'est toujours mieux que la télé ou des choses comme ça, et en leur laissant la connexion Internet ouverte. Alors moi, je dis, tablette, c'est sûr qu'il vaut mieux éviter. Si vraiment, vous pensez que vous voulez absolument qu'il y ait une tablette, dans ce cas, elle doit être déconnectée, vous mettez quelques applications dessus, vous téléchargez quelques vidéos de Torah Box, et vous montrez ça à vos enfants. La chance, j'ai pris l'avion il y a quelques mois, et il y avait une maman qui montait les vidéos de Torah Box pour enfants, Yeladim, donc c'était très sympa. Mais bon, en tout cas, on voyait bien que la maman, c'était pour elle voulait se décharger de ses enfants, etc. Il y a les enfants, on peut encore contrôler les choses. Adolescent, ça dépend de l'entourage. C'est-à-dire qu'en fait, si un enfant est entouré de copains qui ne sont pas malades, parce que j'appelle ça une maladie, et addicts, à ce moment-là, on doit tout faire pour qu'ils aient ce smartphone le plus tard possible, voire jamais. D'accord? Mm-hmm. On doit tout faire pour. Et en tout cas, en essayant de leur expliquer, c'est très dur. C'est très dur. C'est vrai, à Bnei Brak, on a le problème. À Bnei Brak, il y a des Bachourim qui sont virés des yeshivot. On apprend ça tous les deux jours. On a des catastrophes parce qu'effectivement, ils tombent dedans et ils voient des choses vraiment problématiques. Et voilà, et qu'après, voilà, il y a une addict à ces choses-là. Donc, on a, mais le truc le plus important de tout ce sujet-là, là, c'est de savoir, le smartphone n'est pas notre copain. D'accord? Le smartphone, c'est pas parce qu'il est smart que nous, on doit pas être smart. Nous, on doit être plus smart que le smartphone. Et pour être smart, le smartphone, smart, c'est, je veux dire, intelligent, voilà. Donc on doit être beaucoup plus intelligent que le smartphone, c'est-à-dire on doit se dire, cette chose-là, c'est pas mon copain. Donc si je te le donne, je dois te le donner le moins possible. Si je te le donne, je dois te donner le plus filtré possible, le plus et essayer de faire en sorte à ce que les choses soient le plus cachères et contrôlées possible. Idéalement, je prends pas de smartphone, d'accord? Moi, c'est pour ça que j'ai enlevé mon smartphone. J'ai pas enlevé Internet tout court parce que c'est mon métier quand même. Je peux pas pour l'instant. J'aimerais quitter mon Internet. De toute façon, mais c'est pas possible, en tout cas pour moi. Ensuite, il y a le sujet des adultes, d'accord? Il y a donc les adolescents, donc là il faut faire de son mieux, il faut leur apprendre. Moi je parle à énormément d'adolescents, j'ai un adolescent de Bnei Brak
qui a quitté la yeshiva il y a quelques années, il doit avoir 18 ans. Et il a quitté déjà la yeshiva, je pense qu'il a quitté à 16 ans. Il est venu me voir à une bar mitzvah de son frère il y a quelques jours. Il monte son téléphone cachère. Il me dit, Jérémy, je dois te remercier, j'ai écouté une de tes conférences, j'ai jeté mon smartphone. Il a fait tout seul. Pourquoi il s'est rendu compte? Et il a dit à une autre personne que je connais, qui m'en a parlé après, il a dit, qu'est-ce que j'ai du temps maintenant? J'ai plein de temps pour faire plein de choses. Alors qu'en permanence, il était en train de courir. Non, il a plein de temps. Alors maintenant, on peut tomber dans deux trucs. Il y a des jeunes qui vont se dire, ah, j'ai trop de temps, je m'ennuie. Et il y a des gens qui vont savoir remplir ça de belles choses. D'accord? Ils peuvent aller bosser, ils peuvent aller apprendre des choses, etc. Mais ils vont profiter de la vie. Et pour les adultes? Voilà. Pour les adultes, on a le problème. On a le bureau. Est-ce qu'au bureau, on a besoin de smartphone? Ou on a besoin d'un ordinateur? Ou est-ce qu'on a besoin d'une tablette? On peut avoir une tablette, c'est bien mieux qu'un smartphone. Si on a besoin obligatoirement d'un smartphone, il faut définir avec ses collègues qu'à 7 heures, le smartphone, je le laisse dans mon tiroir. Mais en matière de tenue. En matière de contenu, on est d'accord qu'on est bien aussi, un adulte est toujours aussi mais en danger. Vous savez, on a beaucoup de gens, la télévision qui est problématique aussi. N'importe qui, il y a un sujet dans le Talmud qui dit En apotropus la harayot. D'accord? Pour tous les problèmes de relations interdites, il n'y a pas de gardien. C'est-à-dire que le plus grand rave du monde, s'il se retrouve dans une situation où il peut y avoir quelque chose de pas bien, il peut tomber. Ne serait-ce que potentiellement. Parce qu'il y a le potentiel, il peut tomber. Et donc, on doit se mettre dans cette situation de se dire, attends, il y a un danger, je peux tomber. Et les relations interdites, on dit, non, mais c'est pas une relation interdite, je vois juste des images. Mais non, mais vis-à-vis de ma femme, c'est une trahison. Vis-à-vis de tout ce que je peux construire, c'est une trahison. Et puis c'est interdit, commence déjà aux yeux. Et il est interdit aux yeux, c'est une halakha, mais faut... Moi, j'essaie toujours, en fait, quand on a des halakhot, il y a beaucoup de gens qui disent, oui, la halakha, c'est une chose qui est un peu déconnectée du réel. Moi, je dis, mais regardez, c'est qu'en fait, on est là. Le peuple juif, on veut fonder des foyers les plus unis possibles. Si on est là à regarder d'autres femmes, alors qu'on est mariés, mais de quoi on parle? Mm-hmm. Quelle union? On est des hypocrites. Donc c'est pour ça qu'on doit faire attention à nos yeux. Ça, c'est la chose. C'est pour ça qu'on fait... récite le schéma trois fois par jour. Exactement. Le tour arrive à peu près, macharia inechem. Acharia zonim. On parle aussi de dépravation, carrément. Et parce que sinon, on descend. Bien sûr. Et donc, on a effectivement adultes pareils, vieilles personnes pareilles. On a tous ce problème. On a tous ce problème potentiel. Moi, à la maison, j'ai un internet. Enfin, c'est pas à la maison, c'est un petit bureau. J'ai pas de wifi à la maison. Ça, le routeur ne capte pas, était désactivé pour qu'il n'y ait pas de wifi à la maison. J'ai un internet filtré avec une solution qui s'appelle Netfree, qui est fabuleuse. Voilà, qui me filtre tout. Ça existe en France ? Ça n'existe pas encore en France. En France, il y a d'autres solutions. Qu'est-ce qu'on peut proposer justement ? Parce que 70% de nos auditeurs sont français. C'est là, si on parle de smartphone. Aujourd'hui, la solution utilisée le plus pour les smartphones de fil s'appelle Netspark. D'accord ? C'est la solution la plus utilisée. C'est la solution idéale, entre guillemets, mais ce n'est pas une solution parfaite. Elle est beaucoup moins bonne qu'un Netfree qu'on peut avoir ici. Les solutions sont en train de s'améliorer. Et donc, effectivement, au moins mettre Netspark, on va dire. Maintenant, on doit aussi se mettre dans une situation où on doit être, même sur son ordinateur, sur sa tablette, sur son téléphone, le moins de temps possible. Parce que pourquoi on tombe sur des contenus comme ça ? Pourquoi on va avoir des bêtises ? Parce qu'on a du temps. À un moment, on commence à procrastiner, comme je disais, on va aller se balader, etc. Si en fait, on se dit, attends, là, je vais ouvrir mon ordinateur, je vais faire ça, ça, ça et ça dessus. Je le fais, je ferme. Moi, c'est comme ça que je travaille. J'ai un petit carnet sur moi, où j'ai la liste de tout ce que j'ai à faire. Avant d'allumer mon ordinateur, j'ai dit, ok, je dois faire ça, attention, il ne faut pas que je fasse autre chose. Je veux dire, une fois sur deux, je fais autre chose. C'est très, très dur. Mais au moins, j'ai cet objectif. Je fais autre chose, hop, je ferme. J'ai pas besoin de plus. J'ai besoin de faire autre chose sur mon ordi. Connaître les matchs de foot, l'Eurovision, les trucs, voilà, tous ces trucs. C'est des stupidités. Non. Donc, les gens me disent, mais tu passes ta vie, par exemple, moi, ils me voient sur Twitter. Ils me disent, tu passes ta vie sur Twitter. Ils savent pas que je passe moins de 30 secondes par jour. Je pense que je lis les trucs, je lis rien. Je vais devoir lire 4-5 trucs pour voir un peu ce qui se passe. Mais parce que je me bats. C'est une bataille permanente. C'est évident. Et donc voilà, on a Snapchat, je n'ai jamais installé Snapchat, alors que moi je teste tout. Snapchat, Instagram, c'est obligatoirement pas cachère. Vous mettre des photos devant la tête, c'est obligatoirement pas cachère. Facebook, c'est à 95% pas cachère. Même s'il y a du contenu sérieux, on sait très bien qu'on va avoir des choses, on va nous les mettre devant la figure. En fait, c'est un petit peu, en gros,
le principe de l'arbre de la vie, du bien et le principe de l'arbre de la connaissance. Adam Harishon a fauté en mangeant cette fameuse, on a plusieurs avis, mais on va dire la pomme, hein, ouais. Pour aujourd'hui comparer. La pomme, c'est pas un avis, hein, du Talmud, c'est, la, c'est oh, les ouais. chrétiens non, qui disent la pomme. On va dire la figue. Non, mais la pomme, ça m'intéresse. J'ai volontairement choisi cet exemple parce qu'aujourd'hui, c'est le symbole du smartphone. Le smartphone. Donc, ouais. Et d'internet. Croqué, hein. Ouais, c'est croqué. Donc, on a justement cette image de la connaissance du bien et du mal, parce qu'en fait, après tout, dans internet, on va y trouver du bien. On va y trouver de la Torah et on va y trouver du mal. Et à ça, on peut donner peut-être aussi un élément de réponse à nos auditeurs qui se disent, mais je comprends pas, mais vous, Torah Box, vous êtes déjà en train de nous parler sur Internet et vous êtes en train de cracher sur Internet, c'est pas possible. C'est plus que ça, cette Torah Box qui existe que par Internet. Internet, donc effectivement. Donc, mais la réponse est tout simple. Comme se sont déjà renseignés et ont déjà fait le pas d'autres rabbanim qui ont déjà d'autres sites, etc., etc., et ça a été le cas d'ailleurs des responsables de Torah Box, c'est tout simplement de rentrer sur le terrain du Yetzirah, parce que si on le laissait faire dans un terrain où il pourrait absolument faire ce qu'il veut, alors ce serait donné... Non mais c'est aussi le public y est. Voilà. En fait, il faut se retrouver où sont les juifs du monde. Le Torah Box est là pour aller parler aux juifs du monde qui n'ont pas eu la chance d'avoir appris la Torah jeune et ne pas avoir de base du judaïsme comme il faut. Donc il faut aller chercher les gens où ils sont. Ils sont sur Internet. Donc effectivement, maintenant, là je parle aux gens qui sont après ça, d'accord ? Qui ont dit, ouais, Torah Box c'est bien, les cours sont très bien. Maintenant, comment je fais pour ne pas rester trop longtemps connecté parce que je sais que je vais perdre mon temps, que je vais rater mes examens. C'est très fin comme analyse. Mais c'est comme ça que doit réagir un juif. C'est la réaction. C'est comme et, ça. Et on n'est pas. On n'est pas dans le tout ou rien. On est vraiment dans une utilisation cadrée. Si on peut faire rien, c'est mieux. Oui, bien sûr. Ça, je précise. Si on peut faire bien, quelqu'un qui a vrai, qui étudie dans le collège, il n'a aucune raison d'être sur Internet. Il y en a qui disent oui, mais je parle par Skype à mes parents. Ils voient mes petits enfants. Ça, c'est vraiment pas une bonne excuse. Qui se passe au téléphone. Il n'y a pas besoin qu'ils voient les petits enfants comme ça ou qu'ils s'envoient des photos de temps en temps. Il n'y a pas besoin de ça. Donc, voilà. Il faut. Maintenant, après, c'est l'honnêteté personnelle. J'ai vu quelqu'un. Un dentiste est venu me voir en me disant, moi j'arrive pas, donc il habite Nebrak, j'arrive pas à me déconnecter de mon smartphone, etc. J'ai besoin d'envoyer les photos des dents pour faire préparer les implants, etc., etc. Il m'a montré son smartphone et je lui dis, mais ton smartphone tu l'as sur toi maintenant, tu es pas en train de travailler, on était à une Brit Mila, tu l'as sur toi? Il l'avait sur lui. Il est filtré? Il est pas filtré. Donc qu'est-ce que tu es en train de me dire? Tu fais semblant que tu es en train de réfléchir au smartphone, est-ce que c'est bien, j'y arrive pas? Fais au moins le minimum. Filtre-le, laisse-le à la maison, laisse-le au bureau, filtre-le. Et il y a beaucoup, beaucoup de gens aujourd'hui qui mettent en place des tranches d'heures, de 7h à 22h, voire de 7h jusqu'au lendemain matin, sans smartphone. Mm-hmm. Et donc là, on ne rentre pas dans « je m'ennuie la nuit », donc je vais commencer à avoir des bêtises. Donc on a vu qu'il y a des solutions pour ça. Alors, on va passer à présent à la partie questions. Donc on a pris plus de temps cette fois-ci pour exposer le sujet et on t'en remercie parce que c'était particulièrement intéressant. Et on est loin d'avoir terminé puisque de nombreuses questions nous sont parvenues. Jonathan, à toi de nous présenter cette première question. Alors, première question d'Israël Olubini sur Facebook. Pourquoi donc Hachem a voulu donner à l'homme cette invention? Quel est le but en quelque sorte si en fin de compte tout ceci ravage les êtres? Qu'est-ce qui répondrait pour la bombe nucléaire? Ça ravage les êtres aussi. Regardez, on est dans un monde où il y a beaucoup de belles choses et il y a des mauvaises choses, d'accord? On peut avoir des bons copains et des mauvais copains. Alors on va dire pourquoi Dieu a créé des mauvais copains? Pourquoi Dieu va créer des mauvaises choses? On ne doit pas réfléchir comme ça. On doit se dire, Dieu t'a mis dans un monde où tu as en permanence des épreuves et tu dois choisir le bien. Dieu dit, je te mets en face de toi la vie et la mort, tu choisiras la vie. Je te mets devant toi la mort, je te mets devant toi même les choses qui t'empêchent d'avancer. Et tu dois choisir la vie. Donc c'est ça le libre arbitre. Si tout était beau, si tu étais parfait, s'il n'y avait absolument rien, on n'aurait absolument aucun mérite d'être sur Terre. Donc il n'y a aucune part de bon. Il n'y a aucune part de bon. On l'a dit, justement. J'ai expliqué que les contenus qui sont déconnectés, qu'on pourrait utiliser déconnectés, sont bons. Le fait d'être connecté en permanent, ça, c'est pas bon. Les contenus ensuite, X, etc., etc., n'en parlons même pas. Mais le fait d'être connecté en permanence et de vouloir consulter les réseaux sociaux et de vouloir être au courant de tout ce qui se passe en permanence, ça, c'est quelque chose qui, en fait, me bouffe la vie. Du smartphone qui est possible, d'après toi? S'il y a une utilisation, il faut. C'est pour ça que je disais que j'utilise Waze. J'utilise Waze sur mon smartphone Netto Waze où il y a que Waze. Mais sinon, on doit, comme j'ai expliqué, on doit faire le minimum des minimums.
pour son métier. D'accord. Alors, prochaine question. Prochaine question. La question de Johanna. Quel est le problème de perdre son temps? Ah, j'adore. Elle est magnifique, cette question. Elle est honnête. Quel est le problème de perdre son temps? C'est une question magnifique. Pleine de naïveté, j'ai envie de dire. Alors, je crois que c'est Raph Benchetrit qui répond à quelque chose comme ça. Je crois que c'est celui de cet exemple. Il dit, voilà, imaginons que vous avez 80 ans et il vous reste 2 jours à vivre. Vous savez qu'il reste 2 jours à vivre. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez perdre votre temps? Est-ce que vous allez perdre votre temps? Et là, bien sûr que non. Vous allez appeler vos petits-enfants, vous allez leur parler, vous allez passer du temps avec eux, vous allez passer du temps avec votre entourage. Si vous êtes quelqu'un qui étudie la Torah, vous allez étudier le plus possible. Et donc, quand vous allez avoir 80 ans, et quand il vous reste 2 jours à vivre, bah, vous allez utiliser votre temps. Vous n'allez pas tuer votre temps. Il faut savoir qu'à l'époque de la création du monde, les hommes vivaient à peu près 1000 ans, entre 500 et 1000 ans. À partir de là, les gens ont tellement eu de temps qu'ils ont commencé à faire n'importe quoi. Effectivement, on a tellement plein de temps, donc il y a des fautes, etc. etc. parce qu'ils ne sont pas justement se dire « mais je perds mon temps, je suis en train de faire quelque chose qui n'est pas productif, la mort arrive, je vais devoir rendre des comptes ». Et donc, ils se sont pas mis dans cette situation parce que c'était très, très, très loin. Donc, ils ont fait plein de bêtises. Et même avant que la mort arrive, ils ne faisaient pas de tchouva parce qu'ils étaient déjà englués dans les bêtises. Donc, qu'est-ce qu'a fait Dieu? Dieu a réduit la durée de vie. D'accord? A passé la durée de vie à maximum 120 ans. On voit jusqu'à aujourd'hui, ça reste jusqu'à 120 ans. D'accord? Donc, on est censé, à ce moment-là, effectivement, être plus productif. Dans les générations précédentes, les gens vivaient 50, 60 ans. C'était une vie très courte. Et les gens ne perdaient pas leur temps parce qu'ils avaient des guerres, ils avaient énormément de choses qui étaient difficiles à avoir. Donc effectivement, ils n'avaient pas de notion. Pour eux, perdre son temps, ça n'existait pas. C'était même pas. C'était pour eux, le temps, c'était la chose la plus précieuse qu'ils avaient. Le temps passe vite et le temps, en plus, est précieux. Le temps libre est précieux. Aujourd'hui, on a la chance et la malchance d'être complètement libre et de pouvoir faire ce qu'on veut. Et au lieu de se dire, ah ben non, alors moi maintenant, j'ai du temps libre, Dieu me donne une vie, il n'y a pas de guerre, Dieu merci, je peux manger facilement, j'appuie sur mon téléphone, ou je passe un coup de fil, on me livre mon repas, je gagne etc. du temps même. Je gagne du temps, on fait gagner énormément de temps, qu'est-ce que je fais? Je vais aller voir 12 séries à la suite sur Netflix. Je vais aller brûler mon temps. Ça ne s'appelle pas vivre. Le temps, on est là, sur Terre, pour vivre le temps qu'on nous a donné. Et pour vivre, ça veut dire faire des choix qui nous font avancer. Beaucoup de gens se retrouvent à 25 ans, ils sortent de grande école, ils disent « Bon, Jérémy, maintenant, je fais quoi ?»« Tu fais quoi ? T'étudies depuis plein de trucs ?»« Ouais, bon, j'ai étudié, mais en même temps, bon, j'ai passé des trucs, j'ai fait du ski, j'ai fait du truc, etc. » Bon, il s'est éclaté pendant ce temps-là. Là, à 25 ans, il ne se passe rien. Il n'a pas utilisé le temps comme il faut. Donc, on a un vrai sujet. C'est le sujet, nous, il y a un sujet, le Bitul Zman et le Bitul Torah sont des sujets très importants dans le monde juif. C'est qu'on est censé passer 100% de notre temps sur Terre à faire du bien. Donc si Madame Johanna ou Mademoiselle Johanna, vous avez du temps libre et que vous ne comprenez pas que le temps a de l'importance, vous devez vous rendre compte, ça veut dire que vous n'êtes pas en train d'utiliser votre potentiel. Vous n'êtes pas en train d'avoir assez de projets dans votre vie pour participer au monde. Donc faites du chesed, allez aider des gens, allez rendre visite dans les hôpitaux, faites n'importe quel projet. Mais en tout cas, rendez-vous compte que le temps est précieux et qu'on vous a envoyé sur Terre pour accomplir une mission et pas juste pour rester les bras croisés sur votre téléphone à regarder comment les autres vivent. On a des comptes à rendre sur le temps passé. On a des comptes à on vous dit après 120 ans, effectivement, on a des comptes à rendre sur le temps qu'on a fixé sur l'étude de la Torah, Kavita et Tim la Torah, mais même les femmes n'ont pas cette notion-là, d'accord? Cette notion de fixer des heures, c'est plus sans parler d'étude de temps, hein, simplement, il y a une valeur. Il y a la valeur de temps, le valeur de Bitulzman, c'est la même manière qu'on peut pas faire de Baltashrit, c'est que si j'ai un repas et que je le jette alors qu'il est mangeable, bah, j'ai pas le droit de faire ça. De la même manière qu'on va batailler, on ne doit pas faire de bad Beatles Man. Et encore, je vais même dire que le repas, il y a beaucoup plus d'abondance de nourriture que d'abondance de temps pour notre vie. On ne sait pas à quel âge on va partir. J'ai un ami, un de mes meilleurs amis, qui a fait beaucoup de choses. Ça s'appelle Michael Broll, que vous pouvez voir en ligne. Il faisait des vidéos sur la paracha, boulevage, etc. pour les enfants. Il faisait quelque chose de ma vie. Il est parti à 42 ans. Il a laissé 4 enfants.
sont mes voisins, sont des gens, c'est un de mes meilleurs amis, on était tout le temps ensemble, etc. Il est parti à 42 ans. C'est très très tôt. Comme vous l'avez, j'ai 40 ans aujourd'hui. Moi, oui, voilà, oui, oui, c'est oui. Mon anniversaire. Je voulais le citer pour la fin. J'ai 40 ans aujourd'hui. Donc, Mazal Tov, Jérémy, vous pouvez lui laisser vos messages de Mazal Tov sur les commentaires de cette vidéo. Voilà, Mazal Tov. Merci. Que des je ne pourrais pas les voir parce que je n'ai pas Facebook, mais on me les enverra sans doute. Mais en tout cas, voilà. Voilà, j'espère. Moi, je cours. Je passe mon temps à courir. Je passe mon temps à lire des choses. Tora Box, en plus, sort 2 livres par mois. Il faut avoir le temps de les lire. Ça prend du temps. En un mois, on arrive à peine à les lire. Donc voilà, si vraiment vous avez la question de vous dire à quoi sert le temps, c'est que vous ne l'utilisez pas assez. Donc essayez de trouver des choses à faire et je suis à votre disposition pour échanger à ce sujet. Alors la prochaine question de Sarah sur Facebook, à partir de combien de temps l'utilisation de notre smartphone, on est considéré comme addict? Alors vous êtes addict à partir du moment où, quand on vous l'enlève, vous ne sentez pas bien. D'accord? Une bonne définition. C'est-à-dire, un addict, c'est quelqu'un, en plus, qui sait que la chose est mauvaise pour lui, donc qui a compris un peu ce que j'ai dit aujourd'hui, et qui est d'accord, et qui continue à l'utiliser sans pouvoir s'arrêter. À ce moment-là, ça s'appelle être addict. Donc en gros, 90% des gens qui ont un smartphone sont addicts à partir du moment où ils l'ont utilisé toute la journée. Et ça va graduellement. Et par contre, comment est-ce qu'on fait après pour sortir cette addiction? C'est effectivement réduire les moments où on se retrouve à côté de son smartphone. L'éteindre régulièrement, se dire qu'il ne se passe à rien. C'est des exercices. Il y a quelque chose, il y a un sujet aux États-Unis qui s'appelle le FOMO, Fear of Missing Out, la peur de passer à côté de quelque chose. Ça, c'est quelque chose de psychologique. L'homme a toujours peur de passer à côté de quelque chose. C'est pour ça qu'il regarde le journal 3 fois par jour. C'est pour ça qu'il écoute France Info en France toutes les heures, toutes les demi-heures, on lui rabâche les actualités. Peut-être j'ai raté quelque chose, il s'est passé quelque chose de grave. Bon, malheureusement, hier soir, il y a eu quelque chose de grave en France, mais ça arrive quand même rarement, Dieu merci. Donc, toutes les boîtes de l'Internet jouent avec ça, veulent te faire passer... C'est pas grave. Quoi? Mais c'est pas grave. De quoi? D'avoir envie d'être à l'affût de l'actualité. C'est pas grave. Mais c'est le temps, c'est toujours le problème. Si on n'a pas compris que le temps n'est... On n'a pas assez de temps sur Terre pour faire tout ce qu'on doit faire. On n'a pas assez de temps. Enfin, si on a assez de temps, Dieu nous a donné assez. Mais si on le consomme, c'est qu'on est juste en train de le dépenser pour faire autre chose. À partir de là, on peut pas avancer. La chose aussi, c'est qu'à part le temps, par le problème du temps, de l'addiction, c'est quand je me retrouve face à mon mari ou à ma femme, et là, on a vu sur la je vidéo. Continue, voilà, je suis là, je suis au resto. Un jour, j'étais à Mnébrak, à côté de Mnébrak, il y avait un couple religieux. Et monsieur avec son smartphone, donc déjà la femme lui parlait, lui regardait son téléphone. Et à un moment, il s'est levé, donc je parle à un religieux light, d'accord? Il s'est levé, il a été s'asseoir à une autre table, il s'est vu un match de foot. Et sa femme était seule à table. Ça fait mal, mais j'ai d'autres exemples. J'étais au safari de Ramat Gan, donc c'est un zoo, et j'avais deux parents qui étaient assis sur un banc avec deux de leurs enfants, et ça c'était plutôt Tel Avivien comme type de parents, et ils étaient les deux sur leur smartphone. Ben, ils se parlaient pas, et les parents et les enfants ils disent: regarde l'éléphant, il a fait ça, tirez à pile, tirez à pile, etc. Ouais. Et ils disaient, même pas, ils répondaient même pas. Ça a duré pendant une demi-heure. Moi, Dieu merci, j'étais avec ma femme et mes enfants. Ma femme n'a pas de smartphone, n'a pas Internet, elle n'a rien. Elle ne sait même pas qu'on ressemble Facebook. Ça n'intéresse pas du tout. Si elle voit comment son entourage est accro, donc elle n'a pas du tout envie de se mettre là-dedans. J'ai beaucoup de chance. Et elle se dit, mais nous, on était là ensemble, on parlait avec les enfants, on jouait avec eux, on courait avec eux. Voilà, comme on l'a vu dans la vidéo tout à l'heure. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'effectivement, face à un moment, on reprend contrôle de notre vie. J'ai d'ailleurs une question qui nous est parvenue. Je partage votre avis sur les smartphones, mais ma femme en a un et elle n'est pas prête à s'en séparer. Dois-je rentrer en conflit pour autant? Oh. J'ai vu que sur ton rapport, il y avait beaucoup de questions comme ça, de désynchronisation entre hommes et femmes. Ça arrive tout le temps. On rentre jamais en conflit avec sa femme. D'accord? Il n'y a pas de guerre avec sa femme, jamais. Il faut toujours utiliser les services d'un rave au milieu pour justement essayer de faire passer les choses. Il faut définir des heures, d'accord? Donc si votre femme a effectivement un smartphone et qu'elle n'arrive pas à s'en séparer, il faut définir, voilà, entre 7h et 10h du soir, tu acceptes de ne plus l'utiliser, et on n'en a pas. Mais très souvent, malheureusement, j'ai eu des questions exactement similaires, mais le mari avait aussi un smartphone. Et il ne voulait pas que sa femme en ait un, mais lui, il en avait un. Il disait, mais moi, c'est pour le travail, donc je suis obligé. Donc, je ne sais pas, en fait, comment ça fonctionne.
Mais on n'a pas entré en conflit. Un couple, c'est pas censé faire la guerre. On n'a pas le contrôle sur sa femme, la femme n'a le contrôle sur l'homme. C'est pas le sujet. Le truc, c'est essayer d'avoir de l'harmonie, essayer de faire des choses qui font que voilà. On essaie d'avoir du contenu dans la famille, d'avoir des choses et proposer autre chose à la place. Jonathan, une question. Prochaine question de Moshe sur Facebook. Pourquoi n'avez-vous pas inventé une application qui concurrence Facebook ou Instagram, mais dans le bien? Comme je l'ai expliqué, le fait d'être connecté et de vouloir voir de l'info en permanence, ça n'a pas de bien. D'accord? Il n'y a pas de bien. Alors, je vais vous dire, il y a une appli qui s'appelle KosherTube, que j'ai découvert, où c'est tous les cours de Torah en live de toutes les chaînes, de tous les... etc. Voilà, c'est un peu du temps réel, parce qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau cours, ils le montrent. Voilà, je pense que voilà, ils ont réussi à faire quelque chose de plutôt pas mal. Mais non, le fait, il n'y a pas de réseaux sociaux. Il y a des orthodoxes qui ont voulu créer des réseaux sociaux cachés, etc. Mais le fait d'être connecté en permanence, le fait de permanence et de vouloir communiquer avec les autres, de vouloir se montrer vis-à-vis des autres, c'est dangereux. C'est pas ça. Et le problème, c'est pas le contenu qu'on va partager, c'est rien que le fait de vouloir se montrer tout le temps. Alors, prochaine question de Sonia. J'ai vu que plusieurs rabbanim disent que celui qui a un smartphone ne peut plus être témoin dans un mariage. Pourquoi? Alors, c'est vrai. Donc, effectivement, beaucoup de rabbanim demandent maintenant aux gens est-ce qu'ils ont un smartphone avant de les rendre témoins d'un mariage. Parce qu'effectivement, ça passe pas. Quelqu'un qui a un smartphone, pas filtré, a 99,9% de chance d'enfreindre des lois de la Torah en permanence. D'accord? Enfreindre des lois de la Torah, de Sniout, de plein de choses. D'accord? Et donc, il n'est pas possible être un témoin, c'est être quelqu'un de posé, d'être quelqu'un de droit, etc. Enfin, il y a plein de critères de témoin. Et donc, effectivement, les rabbinim ont dit, effectivement, quelqu'un ne peut pas avoir le degré d'être témoin. Vous savez, le témoin chez les juifs, c'est pas comme à la mairie. On n'est pas juste sympa, on signe quelque chose. Un témoin, c'est quelque chose, il faut qu'il soit d'un très 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 haut niveau. Des grands rabbinim avaient même peur d'être témoins eux-mêmes, à tel point c'était quelque chose d'important. Donc voilà, certains disent que la shrita même d'un quelqu'un qui a un smartphone, effectivement, n'est plus cachère. Qu'est-ce qu'on répondrait aux gens qui nous regardent à Paris ou ailleurs, qui ont un smartphone, qui sont adultes, et qui disent, ok, tout ça, les dangers de pouvoir, ok, je suis quelqu'un de stable, d'équilibré, jamais je vais aller sur des sites sur lesquels il ne faut pas aller avec mon smartphone. Ça, on parle d'un truc d'obsédé, là, ouais. C'est pour les obsédés, ce dont vous êtes en train de parler. Déjà, voilà la réponse, la question. Très bien, super. Alors, déjà, c'est pas vrai. Il y a le Yetzirah, on peut être fatigué et avoir à un moment envie de voir quelque chose. On trouve sa femme pas jolie aujourd'hui, elle est mal maquillée, alors on va aller voir d'autres, etc. Je veux dire, il faut être certain, le peuple juif, les rabbanim et la Gemara est consciente de l'être humain. Il faut pas jouer avec ça. Comme on l'a dit, ça, c'est la première chose. Et elle, vous savez, il n'y a pas de limite à ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est... j'ai perdu le fil... Et la deuxième chose, non, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, ce n'est pas nous qui choisissons le contenu qu'on nous met devant la tête. Donc quand on est sur Facebook, c'est pas moi qui vais décider quand je vais avoir une fille en maillot de bain qui va vouloir se montrer en plein milieu. C'est pas moi qui décide. Donc qu'est-ce que tu vas dire? Ah mince, j'ai pas fait exprès. Je suis anous, il y a un statut anous dans la halakha, c'est je suis, comment on dirait pris en cas de force majeure. Pris en cas de force majeure, il n'y a pas le choix. Mais quoi? T'es anous? Mais tu te mets dans une boîte de nuit et tu dis que tu as l'ouse de voir des stripteaseuses. Ça marche pas comme ça. Donc on peut pas. Il faut être très conscient qu'on est obligatoirement, on enfreint les choses. Donc moi, c'est pour ça que j'ai quitté Facebook. C'est pour ça que j'ai quitté plein de choses. C'est pour ça que même sur Twitter, j'ai pas d'image. Netflix me file des images, etc., etc. Voilà comment ça marche. Très bien. Alors, prochaine question de Laura. Je comprends le fait qu'il faut diminuer l'utilisation des smartphones, mais je ne peux pas arrêter du jour au lendemain. C'est trop compliqué pour moi. Que me conseillez-vous pour arrêter progressivement? Bon. Alors, c'est trop compliqué pour moi. Déjà, il faut bien comprendre c'est quoi le trop compliqué pour moi. Est-ce que c'est psychologique ou est-ce que c'est un travail? Comme j'ai expliqué, dans ce cas-là, il faut fixer des plages horaires. D'accord? Se dire, voilà, je me connecte tous les jours entre 7h et 7h30. Point. Et le reste du temps, j'arrête mon smartphone. C'est tout. C'est la seule solution. La vraie solution, c'est de le casser. Ah oui. C'est de le casser. Ah oui, moi je donnais des solutions. Voilà. Non. La vraie solution, moi, celle qui a marché le plus avec les gens autour de moi, c'est qu'ils l'ont cassé direct. Ils l'ont jeté par terre. Ils l'ont écrasé. C'était. Pardon? Il n'y a aucun problème baltachrite. Non, il n'y a aucun problème baltachrite.
Et voilà, c'est en un coup. Maintenant, vous ne vous sentez pas capable de faire ça parce que vous ne prenez pas des décisions fortes de ce genre. Moi, j'adore prendre des décisions. C'est ce que j'ai fait, hein, quand j'avais mon smartphone. C'est spectaculaire. Ah, j'avais pardon ? C'est spectaculaire. Ça explose bien, en plus. Hein. C'est pas très... Alors, il y a des cérémonies comme ça en Israël. Il y a des cérémonies. On vous invite d'ailleurs, si jamais vous voulez faire le pas, filmez-vous en train de casser votre smartphone. On en a déjà reçu, hein, d'ailleurs. Oui, ils vont nous prendre pour... c'est vrai, là. Mais on a le contexte, on a déjà tout expliqué, donc... Regardez le deuxième, ceux qui viennent d'arriver, regardez depuis le début, parce que vous n'allez rien comprendre ce qui se passe. Bon, en tout cas, il y a eu ça. Bon, il paraît qu'il y a eu un accident à Londres. Il y a des chassidim qui ont jeté dans le feu à l'Akba Omer, et ça, les batteries ont explosé, donc ça fait des problèmes. Faites gaffe quand même, enlevez les batteries, ou si vous avez un iPhone, il vaut mieux le casser. Mais regardez, personne n'oblige quoi que ce soit à qui que ce soit. Vous avez un problème d'addiction, vous avez arrêté. Et l'idéal, c'est d'arrêter ça. L'idéal aussi, c'est de l'annoncer. C'est de dire, chers amis sur Facebook, je quitte Facebook demain, et de fermer son compte. Moi, je me rappelle, vous pouvez trouver mon message date de 2012 quand j'ai fait ça. Vous le trouvez sur mon blog pour retrouver mon message. Quand j'ai fait ça, les gens me disaient « Oui, on sait que c'est toi qui as raison, mais c'est trop dur pour nous, etc. etc. » Il y en a plein qui ont fait ça après. Il y en a qui sont toujours là-bas. Mais voilà, annoncer ça aux autres. Et après, on a un peu l'air bête quand on revient en arrière sur WhatsApp, dire « Bon, les amis, au revoir à tous. J'ai décidé maintenant d'arrêter d'utiliser smartphone parce que je sais que ça me fait perdre trop de temps. Au revoir à tous. » Si vous le faites, vous savez que finalement, voilà, vous êtes regardé, donc vous ferez attention avant de revenir, avoir l'air bête. Sinon, on peut opter pour des solutions peut-être un peu plus mesurées, et tout simplement, on l'évoquait, c'est aujourd'hui répandu, comme on l'a dit, c'est un phénomène de société, il y a des psychologues qui traitent de ce problème, de cette addiction, et ben on peut tout simplement, il n'y a pas de honte à les consulter. Ils ont du mal. Parce qu'en fait, il y a un vrai besoin, il faut que la personne ait besoin elle-même de vouloir passer à autre chose. Et très souvent, en fait, les psy essaient de traiter des gens qui n'ont pas la volonté. Et donc, voilà. Donc, ça se passe, on a le problème avec les adolescents, beaucoup d'adolescents avec ce problème-là, qui n'arrivent pas à s'arrêter. Bon, après, c'est question de force personnelle. Et le problème, c'est plus le smartphone à ce moment-là. C'est à quel moment tu pourras prendre des grandes décisions. Et les mêmes personnes qui ont des problèmes pour décider d'enlever leur smartphone auront le problème pour choisir leur femme quand ils vont être en chidour. Avec quelle femme le choisir-t-on? Donc voilà, donc il faut arriver à prendre des décisions rapides et franches, et voilà, à la fin ça se passe bien. Je suis témoin, je peux dire que ça marche. Alors, prochaine question de Nathanel sur Facebook. Avez-vous déjà investi dans des applications smartphone? Si oui, n'est-ce pas incohérent? Oh là là, je suis le plus grand investisseur au monde. Non, le pire, moi j'ai pas rebondi tout à l'heure, mais sur l'exemple des sociétés de A/B testing, etc., c'est un peu dur, quoi. Regardez, moi j'avais un smartphone, d'accord? J'ai eu un iPhone 1, iPhone 2, 3, 4, 5. Et j'avais le BlackBerry, j'avais plein de trucs. Plein. ICQ. Bon, ICQ, ça c'était au tout début, ça. Mais ouais. 5, 6, 2, 3, 5, 8, c'était mon numéro ICQ. Et donc, effectivement, au début, on ne se rend pas compte quand quelque chose est problématique. D'accord? Donc, effectivement, moi, j'avais un smartphone en me disant, aucun problème. Et c'est au moment où je suis commencé à voir comment je me comportais avec ma famille, comment mes enfants me parlaient, je leur répondais pas, etc., où là, je commençais à me rendre compte du problème. En plus du fait que les rabbins me disaient que c'est pas bien, et donc il fallait arrêter, mais au moment où je disais, moi, j'ai pas le choix, c'est pour professionnel, etc., moi, je disais, mais attends, c'est pas que le problème, c'est pas uniquement le contenu, c'est pas uniquement la cache-route du truc, c'est vraiment ça te bouffe la vie. Et là, donc, j'ai décidé d'arrêter. Pendant ce temps-là, j'ai investi dans plein de startups. J'essaye, moi, à titre perso, j'ai pas investi dans Twitter, j'ai pas investi dans Facebook, j'ai pas investi dans Snapchat, j'ai pas investi dans des trucs inutiles. Dommage. Non, dommage, m'en fous. Non, pas dommage. Dommage financièrement, merci, on a quoi manger tous les jours, donc ça suffit. Si les gens font leur dommage en fonction de leur fric, on est mal parti. Donc, j'ai pas investi dans ces sociétés-là parce que moi, mon critère, et vous pouvez retrouver mes interviews depuis que je suis investisseur depuis 2010, etc., je cherche des choses utiles. Donc, moi, je suis cofondateur moi-même de Litchi, d'accord, les cagnottes Litchi en ligne. Il y a une application iPhone, smartphone, ça marche très très bien. On a revendu la société au Crédit Mutuel il y a 2 ans et demi. Je suis le premier actionnaire de TransferWise, c'est un système de transfert d'argent. Je suis actionnaire de Lyft, le Uber, concurrent d'Uber. J'ai participé à un investissement de 200 millions de dollars dans Uber. C'est pas avec mon argent, mais en tout cas, j'ai conseillé sur ces sujets-là. Ce sont des choses utiles, d'accord? Tous les sujets dont je vous ai parlé sont des choses utiles. J'ai pas investi dans des sociétés qui font du live chat, j'ai pas investi dans WhatsApp, j'ai pas investi dans tous les
concurrent de ces choses-là. J'investis dans le jeu, dans les jeux, parce qu'en fait, moi, je pense que un jeu de temps en temps, ça peut faire du bien. On dit, le Rambam, il dit que on peut aller dormir, ça peut être fait les Shem Shamaim. C'est-à-dire qu'on peut faire aller dormir et que le dormir soit une mitzvah. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, en allant dormir, le lendemain, je me sens mieux pour étudier. Aller faire un foot, ça peut être une mitzvah. Quoi, faire un foot, ça va faire une mitzvah ? Ouais, si ça te fait du bien de faire du sport, et tu vas faire ça et qu'à la fin, tu te retrouves mieux, tu vas faire une mitzvah. Donc, de la même manière, aller jouer à un petit jeu kasher à un moment. Si de temps en temps tu joues un tout petit peu et que t'es pas accro, pas comme Candy Crush où là on peut passer des heures et des heures. Un jour j'ai fait un vol Suisse-Brésil, je fais une seule fois le vol plus long de ma vie, et c'était toute une nuit, et la personne qui était à côté de moi, elle a joué à Candy Crush toute la nuit. Elle a terminé le jeu, hein? Je sais pas, franchement, moi je dormais, mais je voyais, alors que je m'arrivais, il était encore là. Donc voilà, donc effectivement, on est là en train de faire le filtre, mais c'est pas une hypocrisie, c'est qu'on est en permanence dans un monde où on est en permanence le mal et le mal et le bien sont mélangés, et il faut à chaque fois essayer de filtrer les choses. Et puis, après tout, investir dans une start-up, ça ne va pas dire... promouvoir la start-up. Ouais. Mais quand même, j'ai quand même fait attention. Je n'ai pas investi dans une boîte de casino, pas investi dans plein de trucs qui pourraient être indiqués. Alors, prochaine question de Jocelyne. Sans mon smartphone, je ne pourrais pas étudier tous les jours. Torah Box ou un autre site de Torah, j'ai 2 heures de métro par jour, et ce sont mes 2 heures de limoud, vidéo ou audio. Donc, dois-je vraiment arrêter ? Ah, magnifique. Je l'avais dit, cette question. Ah, ouais. C'était pour la fin, cette question. La même. Regardez. Si vous avez désactivé WhatsApp, vous mettez votre téléphone, vous n'avez pas WhatsApp, vous n'avez pas Facebook Messenger, vous n'avez pas Telegram, vous n'avez pas tout ça, et que vous dites effectivement, j'utilise mon smartphone pour écouter des cours de Torah, ça a l'air de fonctionner. Mais il y a la solution du offline. Pardon ? Il y a la solution du offline. Alors, ça, je dis, la personne veut garder son smartphone, elle est dans le métro, un peu plus compliqué, etc.